C'est chiant. Tenue haillon. Classe. Est-ce qu'elles y sont toutes? Il m'en manque 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, on valide tout. J'ai pas besoin de toutes les tester. Tenue de mariachi. Donc on va avoir plein de recos compètes de comptes de mecs en caleçon débardeur. Je vous le souhaite en vrai. Je te mets la mienne aussi pour ton compte, même gratuit. Ouais, je sais, je sais. Je suis désolé pour ça. Après, c'était le risque de ce goal, hein, bien sûr. Ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres trucs de mariachi? J'ai pas l'impression. Tunique d'homme ancienne. Ok. Tenue d'ouvrier. Cool. Robe marbrée. Et voilà, c'était une expérience, OnlyFan. C'était une expérience. Et bon, du coup, j'ai un compte avec 4 postes, aucun abonnement. Je suis curieux de savoir combien d'entre vous sont allés voir. Après, l'avantage, c'est que une fois que c'est vu, vous pouvez tout supprimer. Vous pouvez supprimer le follow, vous pouvez supprimer le compte. C'est dommage parce que vous allez rater les suivants, mais parce que je suis sûr qu'il va y en avoir d'autres. Maintenant que les premiers sont arrivés, il y a des gens qui vont économiser des points pour ça. Notamment les gens qui ont déjà un jingle, voire qui auront un jingle et un jingle chanté, voire qui auront un jingle chanté et un dessin paint. Faudra utiliser les points, quoi. J'ai un dilemme. Quel est ton dilemme, patate? Dis-moi dessous. Costume de diablotin. Ouah, c'est sexy, ça. Hein. Robe lapin. Ah oui, si, j'avais un autre truc à vous dire, à vous annoncer, entre guillemets. Et même que d'abord, Colette, elle a dit qu'elle était fière de moi et tout. Comme vous le savez, je prépare en ce moment un speedrun pour le finisher Horror Night de Cladol qui aura lieu le soir d'Halloween, enfin la journée d'Halloween. D'ailleurs, au passage, le planning a leaké sur mon Discord et on sait à quelle heure je passerai le 31 octobre. Ce sera à 18h sur la chaîne de Cladol, Speedrun Roblox. Non, parce qu'il s'agit de jeux d'horreur ou catégorisés horreur. Et c'est pour ça que dimanche, on a découvert Limbo. Parce que c'est ce jeu-là que je vais speedrun. Je vais apprendre le speedrun en off majoritairement. Mais on n'est pas à l'abri que de temps en temps je vous propose une run pour vous montrer où est-ce que j'en suis et tout machin. Toujours fier de toi, Bébou, t'es trop mimes toi. Hein. Eh bien, j'ai fait 2 runs en off. Attendez, pom pom girl. J'ai fait 2 runs en off depuis la run qu'on a fait dimanche. La première run, j'ai fait 1h11, ce qui était raisonnable. Et j'ai fait une autre run hier. Et j'ai atteint le sub 1h. Je suis à 55 minutes et 48 secondes, si je dis pas de bêtises. Ce qui est plutôt cool. Le sub 1h a été atteint. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Le sub 1h a été atteint. Et je suis plutôt content, Rob Lapin. Je suis plutôt content. Sachant que là, pour le moment, je travaille surtout. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, le record du monde est à 39 minutes. Voilà. Et le record de Colette à 43 minutes 50 et des brouettes, je crois. Donc, je suis encore très loin des top players comme Colette. Mais on s'approche. On s'approche peu à peu. C'était que ma deuxième run. Là, pour le moment, ce que je disais, c'est que j'essaie de me concentrer sur
J'essaie de me concentrer sur déjà la fluidité de mes mouvements, ma progression et ne pas mourir. Parce que sur la run que j'ai fait hier, je suis mort quelques fois quand même. Merci patate. Je suis mort quelques fois. Et il y a des moments où j'ai fait des pets de cerveau et je me suis foiré et j'ai perdu beaucoup de temps. Donc ce que je disais à Colette en off, c'est que je pense que j'ai encore moyen de gratter une minute ou deux juste en, es en essayant d'avoir des mouvements fluides. Et... Ok. Juste en essayant d'avoir des mouvements fluides et après on commencera à travailler les glitches pour gagner encore plus de temps. Mais voilà. En gros, ça progresse. C'est quoi ton dilemme, patate? J'ai pas vu. Ah, cet après-midi j'ai cours, mais les cours sont déjà en ligne. Je peux donc les bosser à la maison et à la fois je me sens naze de pas y aller. Ah, je comprends. J'avoue, ça dépend du mood, pour moi. Mood de voir des gens ou mood de pas voir des gens. Et puis il y a le côté de quand t'es en amphi, t'es toujours beaucoup plus sérieux. Enfin, théoriquement. Ça dépend de comment tu te modifies. Après, tu peux lancer un live pour faire ton cours, hein. Pendant que tu stream. J'ai toujours préféré assister aux cours en présentiel que de les travailler à la maison et j'ai globalement eu de meilleures notes que ceux qui faisaient le contraire. Ouais, voilà, je suis un peu comme ça. Moi j'étais de la team. J'étais de la team. Gougou Aldouria! Trop mims. J'étais de la team. Je vais à la bibliothèque universitaire jusqu'à 22 h pour taffer parce que je suis plus sérieux que chez moi, quoi. Par exemple. C'est ça en fait pour t'expliquer le master, c'est de la répétition de mes cours de l'année dernière. Je m'ennuie pour l'instant et en voyant ce qui est proposé cet après-midi, je l'ai déjà. Après, c'est compréhensible hein, de rester chez toi. Hein. Je suis encore loin de mon objectif, mais merci. Elle est trop forte, Colette. C'est quoi ton objectif, Colette, d'ailleurs, sur Limbo? Tu vises quoi? Je sais même pas. Toi, l'INU, t'es plus efficace chez toi? T'as rien à apprendre, je comprends. Surtout que a priori t'as du trajet. Ouais, en plus, t'es pas à côté, patate. J'étais pas du tout sérieuse en amphi. Alors, on faisait quand on était en fac info, on faisait un peu les cons en amphi aussi. Si tu restes chez toi, est-ce que tu vas prendre le temps de vraiment bosser ou pas? Ça joue aussi, j'ai du mal à étudier sans cadre. Moi je suis de la team 7, 7 MSN en vérité. Hein. Typiquement. Putain, il y a Pietro, quoi. Il est là, il me suit. Si tu veux qu'il t'ouvre avant, je suis dispo une grosse partie de la journée si jamais. Ah oui, c'est vrai. Je vais encore pas avoir le bon timing pour te poser des trucs. Je peux rentrer maintenant, hein, si besoin, Colette. On n'a pas organisé grand-chose. Vraiment, je peux... À la limite, ce que je peux faire, c'est faire cet inventaire-là et après blinder mon inventaire avec ce qui reste et rentrer à la maison. Je fais très vite. L'objectif est un temps en 42xx. Ah, t'y es bientôt en vrai. Tu tryhardes un peu en off ou pas du tout en ce moment? La robe d'apparat bleu. Pour n'importe quel taf, je le fais toujours plus. J'en fais toujours plus chez moi. Ah ouais, putain, c'est vraiment une question de mood. C'est vraiment une question de personne. Gilet long en chenille. Le seul truc sur lequel j'ai pas beaucoup de mal à bosser de chez moi, c'est le stream. Les montages et tout. Le OnlyFans, lol. Short de boxe taille. Tic, 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 tic.
C'est juste que j'ai du temps que pendant la pause de midi. Ta pause de midi, elle a commencé là? J'imagine. Même sans être méga sérieux en amphi, il y a quand même des datas qui arrivent qui sont pas dans les cours en ligne. Oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'en explication à l'oral, il y a toujours plus de détails. Pantalon à volant. Pantalon à volant. Non, je suis pas sûr que ce soit un cas particulier, hein, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens en vérité. Yes, c'est le dernier qui me manquait, ça. En ce moment, je bosse ma run d'Halloween, mais j'ai hâte de reprendre Limbo. Ouais, trop bien. Moi, j'ai bien envie de progresser, ça m'a bien hypé cette run d'hier. Je vais essayer de faire au moins une run par jour, si je peux, si j'ai le temps. Après, c'est des runs relativement courtes, donc ça va. Mais histoire déjà d'être régu sur les moves, ne plus mourir, ce sera déjà une bonne étape. Et après on pourra commencer à réfléchir au glitch. Et là, effectivement, un petit coaching de la part de la Goat Colette, je dis pas non, pour apprendre des glitches, toujours une meilleure chose. Mon peu, pantalon mon peu, comme Montpellier. Ça dépend vraiment des matières. C'est quoi les matières que tu veux faire en présentiel, Tsukai? En fait, je suis. Merci beaucoup, Chatoun, pour le follow sur TikTok. C'est très gentil. Bienvenue à toi. Petit pantalon renforcé. Hop. En fait, je suis particulier parce que j'ai jamais bossé en dehors des cours, pas de révision chez moi ou en BU. Ah ouais? Genre toi, l'amphi, ça suffit. Toi, t'es fort. Trop fort, Messner. Pour une fois que j'aurai un PB sub 43 minutes, je vais bosser un nouveau truc sur Limbo qui va être intéressant si j'y arrive. C'est quoi? J'ai vu qu'il y avait plusieurs types de run, mais... Mais j'ai jamais. J'ai pas regardé les autres. Et merci beaucoup, Paloma Ruby Jeanne, pour le follow. Bienvenue. Merci pour le soutien. C'est très sympa. Merci de venir sur Twitch, les amis. Merci de follow sur Twitch. Je vais dire MP parce que j'ai peur. D'accord, d'accord, d'accord. 'Dixit. La meuf qui me disait hier, j'envoie des MP à Colette quand j'ai fait mon OnlyFans et je lui dis OMG Colette, ça y est, j'ai fait OnlyFans, j'ai trop peur. Je suis anxieux et tout. Elle m'a rassuré de fou en mode mais non, mais t'inquiète, je suis sûr que c'est rigolo. Les gens, ça va les faire rire, arrête de stresser et tout, machin. Elle est comme moi, putain. Elle a bien raison. Pourquoi que pantalon gaucho, ça veut dire quoi? Jupe en simili-cuir. Je fais quoi parce que moi ça a marché jusqu'au lycée, ça en prépa j'y arrivais plus. J'avoue, mais ça doit dépendre des matières j'imagine, non? Mais... on est pareil Colette, on est pareil. Aussi stressé l'un que l'autre, même pour une connerie comme OnlyFans, pas en PLS mais... J'étais en mode... oh là là, mais si ça se trouve ça va être cringe. Les gens, ils vont se dire « Oh non, Arnaud Ricou, il l'a vraiment fait, bah, je me désabonne. » Alors que pas du tout. Évidemment que non, c'est juste un peu marrant. Enfin, je crois. Qui s'est désabonné à la suite de mon OnlyFans? Déçu, le débardeur était pas assez sale, lol. Spoiler, il était propre, hein, mais bon. Désolé, mais j'ai pas de fringues sales chez moi. Tablier.
GG en tout cas, de quoi? Ah, pour mes snares ou pour le OnlyFans? J'ai pas fait de prépa parce que je savais que ça n'aurait sûrement pas suffi pendant la prépa, mais j'ai fait un master d'informatique spécialité miage. J'ai pas la ref. Et j'ai eu une meilleure moyenne qu'au bac sur mon master. Putain, mais GG, mec. Il est fort, hein. La mémoire du gars, on dirait Will. Ok, nickel. Bon, je vais vendre tout ça. Je récupère un maximum dans mon inventaire. Et je retourne sur mon île et on verra, Alzuria, s'il reste des trucs. Au pire, je reviendrai tout à l'heure. Mais effectivement, on va profiter de la pause repas de Colette. Je pars manger du coup, j'essaie de prendre l'avion d'ici 10-15 minutes. Ah! Ok. On va finir du coup. Dis-moi quand t'es revenu, Colette. Pas de pression, pas de pression. On va avoir le temps de finir du coup. Tout va bien. Aboard mission. Aboard mission, tout va bien. T'arrives pas à prendre, je te le ramène moi si tu veux. On va voir, normalement d'ici 10-15 minutes on a, si je suis focus et que je tryhard et que je parle pas de 1000 trucs en même temps, on devrait y arriver. Soyons bons pour Colette. Disons qu'en master j'avais pas de matière type français histoire philo pour plomber ma moyenne. Ouais, je vois. C'était focus, on va être focus, on va être focus. Ça fait longtemps qu'elle a pas été utilisée cette émote. Ça, c'est les posters. Ok, je verrai après les posters. Oula, ça bug. Il reste pas grand-chose. Ouais, il doit rester l'équivalent d'un inventaire, je pense. Surtout que les posters, ça va être moins chiant à chercher. Ah oui, c'est parce que tu rentres dans des maisons, et quand tu rentres dans des maisons, ça me stoppe en récupérant des trucs. C'est rigolo, le comment Animal Crossing gère les temps de chargement. Je trouve... Je suis au café. Ah non, mais t'excuses pas, vite à vie, t'inquiète, t'inquiète. C'est juste, ça me fait rire. Je vais quand même pas t'empêcher de te balader dans ton île alors que je suis là. Et attends, peut-être que... Je vais les noter. Je vais les noter, ce sera fait. Alors, poster de... Poster de S. Donc, nous avons Sabrina. Ensuite, nous avons Steven. Tiens, tiens. Coïncidence, je ne sais pas. Bonjour Maï, comment vas-tu? J'avance ses objectifs Nook Miles Plus. Va falloir que je m'y pense un jour à ça aussi. Hein. Tiens, ça passe le bot, ça? Steven. Ça passe le bot, ça, d'accord. Steven, il est où Steven? Il est là. Oh, la gueule de Steven sur Animal Crossing, ça va pas te plaire, Steven. Serge. Serge. Voilà. Le célèbre Serge. Selma. Célène. Célène, 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 Célène. Je l'ai déjà, Célène? Ah oui, j'ai déjà Célène. Seguin, comme la chèvre. C'est une chèvre, c'est marrant. La chèvre de Monsieur Seguin. Sarah. Samson. Salami. Rudy. Attends, c'est des R après? Ah non, Sonia. Sonia, je l'ai pas. Serena. Serena, 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 t'es où? Je l'ai déjà, Serena. J'ai déjà Serena. Stekos. Zurizi. Tarina, Sucrète, Suzy, Sylvette, et il reste Simon. Simon. Et ensuite on a Sophie. Sophie, je l'ai déjà du coup. Donc il y a Tarina et Rudy. Ruby? Rudy ou Ruby? Rudy. Il est mime. Il est mime, il est mime. Très bien, as-tu des tips pour avoir des amiibos? Parce que j'aimerais bien inviter des gens café ou dans mon île. Des tips pour avoir des amiibos, c'est-à-dire?
À part les acheter en magasin? Je vois la tête de Steven, tu vas kiffer. Hein. Ok. Alors, veste décontractée. Salami, j'espère que c'est un cochon. Je crois, ouais. On est où dans les achievements de capture d'insectes et de poissons? Oh, je suis loin. Je suis très très loin. Justement, c'est pour ça qu'il faut que je m'y focus, mais... c'est celui-là. Ouais, 824 alors qu'il en faut 5000 pour les poissons. Et insectes, 653 alors qu'il en faut 5000 aussi. C'est pas pour tout de suite, quoi. Tenue de comique. Ça va, c'est pas le plus mime, Steven, mais il est pas trop dégueu. Tout comme moi. Tu te sous-estimes, je suis sûr, mon cher Seven. Je crois que t'es exceptionnellement beau gosse. Veste motif rose. Ok. Vous me flattez, monsieur Rico. 2316 pour Elzoria et 2853. Putain la vache. Eh, j'ai pas eu d'alerte. C'est pourquoi tout est cassé aujourd'hui. Merci Flo pour le follow. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Comment vas-tu? Dis-nous tout. Ah, voilà l'alerte. C'est un peu tard. Tout est en retard en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Je savais pas trop comment ça se trouve, je savais pas que c'était à l'achat. Ouais, ça se commande sur internet, les amiibo, ou alors dans des magasins type Micromania ou ce genre de choses. Ce qui est sympa, c'est que c'est des petites, c'est quand même des petites figurines, donc ça a aussi une utilité décorative, les amiibo. Ça va bien, Flo, ça va bien, bienvenue. Bienvenue à toi. Qu'est-ce qui t'amène donc par ici? Dis-nous tout, racontez-nous vos vies et nouveaux venus, là, qu'on apprenne à vous connaître. Pour ceux qui veulent... qui veulent parler dans le chat, bien sûr. Aucune obligation pour les gens qui sont en lurk. Évidemment, évidemment. Et merci beaucoup, Mai, pour le follow sur TikTok. Incroyable, merci. Et on est bientôt à 500, la team. Bientôt à 500 sur TikTok. Donnez tout, TikTok. Tablier avec manche. Toc. Il y a moyen de trouver des lots de cartes Amiibo à CNH sur Vinted également. Ah, intéressant ça. Pull en polaire. Mais c'était pas sub. C'est un fait maison fantasy médiévale apparemment inspiré Donjons et Dragons, si j'ai bien compris. Ok. J'ai vu sur TikTok, donc je suis venu sur Twitch pour faire coucou. Trop bien. T'as vu le live sur TikTok, Flo? Ou t'as vu un TikTok? Parce que si c'est un TikTok, je suis toujours curieux de savoir lequel. Quel TikTok vous donne envie de venir? Le live, ok. Bah t'as bien fait, parce qu'on est beaucoup mieux sur Twitch. C'est toujours de meilleure qualité que ce que je peux vous proposer sur TikTok. On va pas leur dire, mais c'est pas très facile et pas très ergonomique à setuper leur truc. Pull folklorique. Le premier jour de la sortie du jeu. Attends quoi? C'est quoi le... T'as commencé à jouer quand le premier jour de la sortie du jeu? Mais j'ai reset plusieurs fois. J'ai commencé l'objectif 100% quelques jours après Arnaud. C'est-à-dire en février, 1er février. Et à mon avis, Alzurien est bien plus avancé que moi sur l'objectif. Parce qu'elle joue plus déjà. Mais parce qu'elle est meilleure surtout. Tryhard un peu la capture, ouais. Bah, c'est-à-dire que Alzoria a plus avancé sur ces sujets-là que moi pour le moment. À un moment donné, il va falloir que je m'y mette aussi. On aura des lives full je pêche ou j'attrape des insectes. Ou des créatures sous-marines également. Ouais, que de pis. Que de pis, que de pis.
Belle journée, merci Marie, toi aussi. Coucou Lumpa! Je suis là, vous pouvez commencer à être heureux. Putain, il était temps! Ça fait longtemps que je suis malheureux, heureusement que t'es là, Lumpa. Quel enfer! Tu nous as abandonnés! Genre culpabilisation, quoi. J'ai quasiment 800 capteurs d'insectes pendant un insecto safari d'été, la vache. LVDL. C'est les villas de loups, LVDL. C'est DLC, non? J'espère que tout le monde est heureux maintenant que Lumpa est là, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Manifestez-vous! Gilet écossais. Quoi de neuf, Lumpa? Sache que le OnlyFans est ouvert. Non, c'est faux, je joue plus. Mais il n'y a pas à être meilleur. Non, mais je dis ça pour la blague, bien évidemment. Sur Animal Crossing, on se compare pas, de toute façon. Faut pas se comparer dans les jeux vidéo. C'est évidemment pour rire. J'avais déjà plein de choses que j'ai gardées d'un reset à l'autre et j'ai repris à zéro comme toi. J'ai pas repris à zéro comme toi, donc ça compte pas vraiment. Bon, ça compte quand même. Tu pars avec une base, mais par rapport à la quantité de trucs qui existent, c'est quand même impressionnant, hein. Débardeur de fitness. Moi, c'est juste, je joue pas tous les jours parce que j'ai pas le temps. Ah non, c'est pas lui. Je l'ai déjà, lui. Ce que je voulais dire par t'es meilleur, c'est que tu connais déjà mieux le jeu que moi. Chemise d'uniforme. Cool. Et chemise de cowboy. Ok, super. Ah oui, vraiment, il y a eu une récompense de points de chaîne claquée par Laetitia Lumpa pour décider du premier post OnlyFans. Du coup, il a été posté cette nuit. Quoi de neuf à part OnlyFans? Bah écoute, on n'est pas loin du 75% du jeu. Sur Animal Crossing, en tout cas, c'est cool. On a bientôt fini Kingdom Hearts 3D à 100%. On a fini Zelda 1. On s'apprête à jouer à Zelda Echo of Wisdom quand il sortira jeudi prochain. Quoi d'autre? J'ai réussi mon examen d'anglais et je suis de niveau B2. Voilà. C'est pas mal. Je fais quasiment 1 heure d'asséinage par jour. Ah oui, quand même. Je vais acheter les meubles tant qu'on est là, en attendant que Colette arrive. Les dés ont dit que j'allais rater mes cours aujourd'hui. J'ai avancé de partout, Lumpa. Ouais, la vie suit son cours. On fait des jingles. J'ai tapé Lumpa dans la barre de recherche. Est-ce que Lumpa est dans la database? Ça, je l'ai déjà. On va faire des jingles jeudi. C'est pas encore ton tour, Lumpa, mais ça ne saurait tarder pour les jingles. Déco suspendu, joli rêve, je l'ai. Je réalise déjà le petit rattrapage de cours, comme ça je suis tranquille. Mais t'as bien raison. C'est quand ton prochain live, patate douce? Maintenant que t'as commencé, on veut savoir. Ah, celle-là, je l'ai pas, par contre. C'est pas trop cher, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Du coup, je termine plus à 17h30. C'est ce que je me disais, ouais. T'as quel habitant sur ton île? Bonjour, Paloma. Qui c'est que j'ai sur mon île? J'ai Melba. J'ai Rosie. J'ai Abraham. J'ai Monique, j'ai Jojo, j'ai Didi, j'ai Aster, Robert, Terra, Apollon. Voilà. Livre scolaire. Je les ai déjà. Et les coussins, je crois aussi, hein. Le coussin.
fais tout ce que je veux peut-être avant l'école d'art à 18, de 18h30. Bon, rendez-vous de vendredi, c'est assez bien passé. Juste, je m'attendais pas à avoir autant de personnes autour de moi quand je filmais dans leur cuisine. Je sais pas si tu nous en avais parlé, Lumpa. C'est quoi que t'avais vendredi? J'ai atteint les 1000 abonnés sur TikTok. OMG, bravo, Lumpa! GG pour les 1000 abonnés. GG. Une star dans le chat, les amis. Attendez, attendez, attendez. Parce que. On va attendre le retour de Colette. Tant qu'à faire, optimisons notre vie. Sauf si ça t'embête, Azuria, bien sûr. Hein. Tu me dis. Hein. Je veux pas squatter Milan si ça t'embête. J'avais ma première mission en tant que communicante, donc j'ai filmé et monté des vidéos pour eux. D'accord, trop cool! Trop cool, trop cool! Tu m'étonnes que c'était stressant. Chemise aventure, je les ai déjà. Ensuite, on a les gilets campus. Gilet campus, il me manque celui-là. Ensuite, nous allons avoir jupe bohème. J'ai pas, c'est cool. Ensuite, celle-là, je les ai. Les trucs de bélier, je les ai tous eus tout à l'heure. Ouais, d'accord. Ouais. Oh, les casques de samouraï, c'est cher. Il m'en manque que deux. Cool. Ensuite, on a des lunettes. Parce que j'ai pas la thune infinie à l'heure actuelle. Hein. J'ai pas pris beaucoup d'argent. Monocle, j'ai tout, non? Non, il me manque celui-là. C'est ridicule ce style. Attendez, je vous lis dans une seconde. Je setup l'achat de. Ça, j'ai tout. L'achat de fringues parce que c'est toujours très chiant. Collant fluo, j'ai tout. Collant ordinaire, j'ai tout. C'est pas grave pour le genou, j'ai tout. Donc là, il n'y a rien. Basket montante. Ah, il me manque les vertes. Parfait. Top. 10 000 balles déjà, putain. La vache. Je passe en l'arc très rapidement pour me laver les dents. Je reviens de ce pas. Ça marche. Et merci, c'est Tarieux pour le follow. Bienvenue sur YouTube. Putain, il m'énerve ce clap-clap. Merci. Bienvenue, Tarieux. Bienvenue. Est-ce que tu es toujours à la recherche de moyens pour faire des clochettes ou tu penses en avoir suffisamment? En vrai, j'ai suffisamment de moyens d'avoir des clochettes. J'en ai pas des 100 et des 1000 pour le moment. Mais c'est assez facile pour le moment d'en récupérer, donc ça va. C'est tellement glam comme ça. Merci, Blues. c'est vrai, j'avoue. J'avoue que je suis glam. Ensuite, on a col en cœur. Je les ai tous. Les queues de pie, je les ai tous. T-shirt dédoublé. Je crois aussi. Hein. Ah non, il m'en manque deux. Let's go. Oh, ça fait plaise. Les jupes. Les jupes, les jupes. Couvre-chef et masque. Il me manque celui-ci. Et on les aura tous. Ensuite, côté lunettes, monture. Je suis à l'affût du moment où Colette va revenir. J'ai pas envie de la faire attendre. Monture fluo et niveau chaussures. J'ai donc toutes les baskets montantes. Sabots caoutchouc, je crois aussi. Du coup, ils étaient là tout à l'heure. Sabots caoutchouc, c'est bon. Tennis high-tech. Ah, tennis high-tech, j'ai pas tout du tout. Et les escarpins, après, je les ai, ok. Bon, je vais pas de toute façon pouvoir tout acheter, j'aurais pas assez d'argent. Fashion sur 20, moins 12.
Ça fait mal. Ça fait mal. Comment ça va, Blues? La pêche ou quoi? Ok, donc ici on va avoir le t-shirt dédoublé vert. Ensuite, la jupe cyan. Niveau couvre-chef, j'ai tout. Accessoires, je crois que j'ai tout maintenant. Parce que monture flou, il m'en manquait qu'une. Et ça, c'est solaire fleur. Solaire fleur, j'ai tout aussi. Chaussettes, j'ai tout. Chaussures, du coup. On va pouvoir récupérer pas mal de choses, mine de rien. Tranquille, je me suis remis sur FF7. FF9, pardon, trop bien. Je l'ai jamais fait, FF9. Il paraît qu'il est excellent. Un jour, dans quelques années, on fera un marathon Final Fantasy. Pourquoi j'ai dit ça? Ok. Donc j'ai tous les t-shirts. Jupe. Il me manque celle-ci. Ça se trouve, je vais pouvoir tout acheter en vérité. Parce que maintenant, il me manque les pantalons et les chaussures uniquement. Et peut-être des tenues, je ne sais pas. Bibi Forever, ouais. C'est Jidan le héros du 9, c'est ça? Bibi qui est dans Kingdom Hearts, bien sûr. Qu'on a vu au début de Kingdom Hearts 2 notamment. Ok, jupe en jean. Jupe en jean, j'ai tout. Pantalon gaucho. Il m'en manque qu'un. C'est lui. Et enfin, la dernière paire de chaussures. Il paraît, mais Bibi est tellement mieux que Jidan. Jidan, dans le style, on dirait Goku. Mais c'est à cause de la queue. Faut que je garde de la place pour les posters aussi, hein. Ok, grenouillère. C'est tout ce qui me manque maintenant, les tenues. Grenouillère. Il m'en manque deux. Il me manque celle-ci. Et la jaune. Ce style. Mais ce style. J'essaie de le faire au plus vite. Colette. Pour Colette, pour le Gondor, quoi. Putain, il me reste un peu moins de 3000 balles. Je vais pas pouvoir tout acheter, je pense, mais ça va se jouer à pas grand-chose. Robe de garçon. Il me manque que la noire. Top. Et je peux plus rien acheter. Et le timing est parfait, Colette. Incroyable. C'est nickel. J'arrive! Le timing est incroyable. Il se peut que je vais tomber un peu d'argent devant la boutique. Oh la thune. Oh, mais tout ça! Mais t'es sûr, Alzuria, ça fait beaucoup, hein. Ça fait vraiment beaucoup. Bon, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que t'as des kilomètres de thunes en réserve. Oh là 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 là. Oh mais j'ai pas la place pour les posters du coup. Attendez, je vais revendre les fringues vite fait. Non mais pourquoi je vais là? Je suis un connard. Pas trop vu que la pause manger est finie. Quoi? Bon, tant pis. Je viendrai chercher les posters plus tard. Je cours! T'embête pas si je reviens tout à l'heure, Alzuria, pour récupérer les derniers. Merde. C'est par là la sortie. Va-t'en! Non! Non. Je déborderai, j'ai déjà fait 2 heures de plus par jour, on n'est pas assez près. Oh, elle m'a viré! Bien joué! Bien joué!
Sinon, je te les ramène. C'est vrai. Pas de stress. Ouais, mais quand même. T'es trop fort, Tadzuria. Bien joué, bien joué. Je finissais d'attraper un poisson. J'espère que c'était un Selakanth. Déjà, tu m'ouvres les portes et tout. Non, mais attends, mais moi je fais rien du tout. C'est toi qui me ramène des kilomètres de meubles. Ne me dis pas ça. C'est pas vrai. Je ne suis qu'un sombre bolos, moi, dans l'histoire. Qui accumule des trucs. C'est le coryphène que je cherche. Je crois que je l'ai jamais eu, celui-là. Demi-tour. C'est le dernier poisson pour ma bébétopédie. Oh, courage. Putain, je pensais faire ça aujourd'hui à un moment donné, mais on n'aura carrément pas le temps, quoi. On a déjà presque fait la moitié du live. Du coup, Kara, t'es là ou pas? Parce que c'est l'occasion, l'île est ouverte du coup. Présente, trop forte. Ben voilà. Vous pouvez venir décharger vos camions devant ma boutique. Merci encore pour tout ça. On va ranger toutes ces conneries là. Non, pas la table ancienne. Faut que je la colorie. J'ai passé au moins une centaine d'appâts et toujours pas. Putain, l'enfer. J'ai eu la Lucane Lamprima la semaine dernière en retournant en août. GG. Il m'en manque 3 pour le modèle, mais bon. Si jamais on obtient le modèle de notre côté, on pourra te le filer. En vrai, venez, les gens qui sont déjà venus sur mon île, hein, bien sûr, venez sans souci, parce qu'il y a l'Insecto Safari, on pourra le faire ensemble, du coup, si vous voulez. Premier voyage, c'est des fringues et objets uniques qui ne complètent rien, d'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Tut, tut, tut. Mais quelle est stylée celle-ci. Oui, catalogue, elles ont rien, hein, n'hésite pas. Je vais laisser le temps à Colette de tout décharger. Je vais aller. Je vais, moi, du coup, faire les emplettes de mon île pendant ce temps. Le temps que vous déchargiez tout. Comme ça, ce sera fait. C'est demain que je suis entêté, je peux pas venir aujourd'hui. Ah non, terrible, Seven, terrible! C'est pas grave. On n'est pas samedi. Dans ma console, si! Pour ma console, on est samedi parce que je suis complètement pas à jour. C'était pour faire les feux d'artifice le jeudi. Table, plateau, je l'ai déjà. Le plateau télé, non. Je l'ai déjà. Il faut que je vérifie si je l'ai encore dans mon inventaire pour faire du coloriage. Ça, c'est poubelle fast-food. Je les ai toutes. Je crois que les harpes aussi, je les ai toutes. Fais voir, je regarde avant. Harpe. Je les ai toutes aussi. Salut Flo Flo, comment ça va? Tronçonneuse. Tronçonneuse
tronçonneuse. Il faut que j'aille voir. Table, plateau, télé et tronçonneuse. Parce que tronçonneuse, j'en ai déjà une. Quel bug du cerveau que tu me crées. Désolé, Lumpa. On est quand déjà? On est mercredi, on est mercredi. Tronçonneuse, je les emmène. Ah, d'accord. Ça roule. Bon, je vérifie pas pour les tronçonneuses, alors. Je vais vérifier si j'ai bien la table, plateau, télé. Il te faut quelque chose, plus de temps libre. Oh, j'avoue. Je suis trop con. En plus, avec Colette, en ce moment, on est en mode... Ah, la voilà. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Avec Colette, en ce moment, on est en mode... Viens, on fait plein de projets. Avec des copains et tout. Donc, on se sacrifie encore du temps libre. Il y a des trucs qui arrivent, les amis, ça va être fun, hein. Il y a des trucs qui arrivent avec Clado, là, notamment. Je veux pas tease, mais il y a des trucs qui arrivent autres que 16h. Attends, il commence... Ah, c'est jusqu'à 18. Ok. Il arrive des choses autres que la finisher Horror Night. Quelqu'un vient de partir. Colette est partie. Quelle est cette petite annonce? Eh bien écoute, Flo, je t'invite à utiliser la commande point d'exclamation OnlyFan. Car ça y est, le premier post OnlyFan a été posté, choisi par Laetitia. Voilà, c'était ça la petite annonce. Enfin, après 9 mois d'attente, quel beau bébé, presque 10 mois, le OnlyFan a été créé et alimenté. D'ailleurs, quand je me suis connecté hier, OnlyFan m'a dit « Mec, ça fait un moment que t'as rien posté là, on va mettre ton compte en attente. » Je trouvais ça vachement agressif. Alors, voyons voir. Blouson rappeur. Il m'en manque. C'est top. Mais non, mais si Flo, mais si. Je te jure. Jupe en dentelle. Je les ai toutes. Portefeuille, je crois aussi. Tout à fait. Pantalon punk. J'ai tout aussi. Et pantalon rayé, je crois aussi. Ok, on a tout. Couvre-chef, du coup. Bonnet de natation. Ça me fait penser à Sukai, ça, du coup. On les a pas. Oh, la tronche. Stop, j'amène le blouson. OMG! OMG, le blouson est déjà dans les bacs. J'annule. Bomber camouflage. J'ai tout. Pull distingué. Hop. Qui ne rêverait pas de voir son streamer sur OnlyFans? Très bonne question. Très bonne question, Laetitia. J'ai peur. Il faut pas. Vous voulez voir ce qui se cache sur son compte? Abonnez-vous. C'est vrai. C'est vrai, c'est exactement le mood de OnlyFans, en vérité. Voilà. Vous voyez ce masque en simili-cuir? Peut-être qu'il est sur mon OnlyFans, on sait pas. Hein? Le double foyer. J'ai déjà. Les octogonales, je crois aussi. Tout à fait. Et... réflecteur, je l'ai aussi. Ok, on va pas avoir grand chose à la boutique pour une fois. Chaussettes en dentelle, il m'en manque deux. Let's go, je prends. Et en termes de chaussures, paire de baskets. Et je les ai pas toutes les paires de baskets. Let's go. En slip, hein, par contre, on va pas se mentir.
C'est moi, pas moi. C'est toi, pas toi, Soukai. Je suis prête pour un premier voyage. Tu viens quand tu veux, Kara, c'est ouvert. Tu viens quand tu veux. T-shirt crâne, je crois que je les ai tous. Tout à fait. T-shirt en dentelle aussi. Ouais. Veste en jean. Je les ai pas toutes, les vestes en jean. Ensuite, on a bonnet de bain. Ah, j'arrive, j'arrive! Bouge pas. Relance dans 30 secondes. Juste le temps d'acheter ça. Hop. Paire de baskets, il me faut les sciants. Fonce. Fonce, fonce. Tu as ce genre de masque chez toi, Arnaud? On peut le demander sur le prochain poste. Alors non, j'ai pas ce genre de masque. J'ai pas ce genre de masque. Est-ce que ça rentre dans les dans mes guidelines de OnlyFans, ce masque-là? Pas sûr, hein. Souké est perdu à jamais. Au profit de Patate Douce, bien sûr. T'as vu qu'elle avait lancé un live, Lumpa, ou pas? Bah non, t'as pas vu, du coup. Qui est cette patate qui me calme? Je connais pas. Eh bah oui. Je savais pas que ça relançait tout de suite, mais c'est bon, c'est passé de justesse. C'est passé, Kara, c'est passé, c'est passé. Tu vois, j'ai des oreilles de lapin en mode Playboy. Est-ce que ça m'étonne? Waouh, les yeux! Trop stylé! Tu me reconnais même pas, super. Oh, le drama, le drama! Fallait pas changer de pseudo aussi! C'est super, Soukai! Ah! Merde, attendez! Qu'est-ce que... Qui est là? J'arrive! Allez-y, faites vos bails! Désolé! C'est la faute de Will. Qu'est-ce qu'il a dit, Will, exactement? Qu'est-ce qu'il a dit, celui-ci? Je tousse! T'inquiète, Azuria, t'inquiète, 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 c'est normal. C'est un moulin, mon île, aujourd'hui. C'est l'heure de pointe, ouais. J'ai proposé le dilemme du changement et il a tranché. Mais c'est-à-dire... Qu'est-ce qui t'a décidé pour Patate Douce plutôt que Soukai? Moi, je suis plus de la team... En vrai... Il y a plus d'unicité, ça va peut-être te faire regretter ce que je vais dire, je suis désolé, mais... Il y a peut-être plus d'unicité dans un pseudo tel que Soukai que dans un pseudo type Patate Douce. Dans le sens où, je pense que t'es pas la seule à t'appeler Patate Douce sur Internet. Re-Azuria. Et du coup, ça fait que... T'es peut-être plus la seule à t'appeler Soukai, tu vois. Soukai, il y en a blinde aussi. Ah ouais, c'est vrai? Merde. Ouais, mais c'est plus rapide à dire et plus unique. Genre, si un jour tu as de la visibilité sur Twitch, ce sera plus facile de dire c'est Soukai sur Twitch que Patate Douce, tu vois. Je sais pas. Putain. Attendez, attendez, je requitte. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette fois? Qu'est-ce que. Let me in! J'adore. Individu en devenir, ça me tue. Je regardais dans 60 jours, écoutez. Mais du coup, c'est quoi qui t'a décidé à changer à l'origine? Genre, à opter pour Patate Douce? Ça veut dire pute en russe? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. C'est un pseudo plus récent que j'aime bien aussi. Et Soukai, c'est plus le moi depuis longtemps. Dont mon pseudo perso Insta. Attends, quoi? C'est un pseudo plus récent que j'aime bien aussi. Patate Douce?
Sukai, c'est plus le moi depuis longtemps. Dont mon pseudo perso Insta. Pas sûr de comprendre cette phrase. On est à Châtelet, ouais. C'est bon, tout le monde est arrivé.